Bonjour à tous, Loser Killer qui vous parle donc pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent Lego Friends sorti en 2013, donc la petite référence, 41 016, voilà. Et donc souvenez-vous, hier qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien on avait eu donc deux paires de patins à glace, ainsi qu'une structure à l'époque pour moi, enfin à l'époque hier quoi, non identifiée. Donc des personnes, des gentilles personnes m'ont dit que ce serait peut-être en fait un petit ponton, voilà, un petit ponton sur lequel les figurines Friends pourraient enfiler leurs patins au lieu d'avoir les fesses dans la neige, voilà. Et donc, bien, vous n'avez pas tort, et donc c'est pour ça qu'on va déplacer ça ici, donc qui est en plein milieu de nulle part, eh bien près du petit, la petite patinoire improvisée avec le lac gelé. Donc attendez, on va régler ça correctement, si je peux, oui, est-ce que je peux? Voilà, merci. Et donc, on va mettre ça comme ceci, donc la partie blanche dans la neige, la partie marron entièrement au niveau de la patinoire. Voilà, comme ceci. Et donc, bah, après, les figurines pourraient s'asseoir dessus et patiner, patiner jusqu'à plus soif, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'énergie. Bref, ça c'était pour le 16, pour le lundi 16. Aujourd'hui, un jour après, on est le mardi 17, c'est bien, vous suivez toujours. Et donc, on va ouvrir cette case ici, donc encore à ce niveau-là, voilà. Et donc, bah écoutez, bah ouais, je vais peut-être parler et je vais ouvrir. Et on verra donc qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui. Est-ce qu'on aura autant de construction de plaques qu'hier? Bah déjà, il faudra peut-être que j'arrive à l'ouvrir, non? Ce serait sympathique, voilà, merci comme ça, c'est gentil. Est-ce qu'on aura de la construction comme hier? Est-ce qu'on n'aura pas ça du tout? Je ne sais pas du tout ce qu'on aura. C'est la surprise. Et oh, je vois un sachet de pierre, je vois des briques et je retourne l'image et quoi? Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Oh d'accord, c'est un c'est comme une boombox sauf sans lecteur cassette en fait. Donc c'est un lecteur audio. Un baladeur, si vous voulez. Un baladeur MP3, voilà. Oui, encore un. Non, pardon, un baladeur MP3, un baladeur, c'est quand c'est plus portatif. Non, c'est. J'ai plus le nom de ça, mais enfin bref. En tout cas, c'est une station hein, qui lit des MP3. Donc. Et donc là, on fait plus d'heures dans la neige. J'espère que les enceintes sont bonnes et pas aussi pourries que ça, les téléphones portables. Donc on a ça, comme on peut voir, une petite 1x3 ici. Puis après, on casera donc des pièces avec un tenon au-dessus et un à l'avant planche. On va en caser deux blanches, comme ceci, ainsi qu'une jaune au milieu et qui ne sera pas dans le même sens, comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on est bien droit là? Est-ce que c'est possible d'être vraiment bien droit? Oui, c'est possible, mon petit. Donc comme ceci. Après, donc on retourne ça à l'arrière, on casera la poignée pour emporter notre objet, dont je n'ai plus le nom exact, et vous m'excuserez. Donc, grâce, comme vous pouvez le voir, à un téléphone Lego, hein, il n'est pas une pièce spécialement récente, si on l'a trouvé déjà dès le début dans le. Bah, par exemple, on l'a trouvé à l'époque dans le thème Extreme Stunt, voilà, Island Extreme Stunt. Et d'ailleurs, c'était utilisé par la même chose, c'était utilisé pour une sorte de boîte à musique, quoi. Oui, une boîte à musique maintenant. C'est de plus en plus moderne chez Loser Killer. Donc, la boîte à musique, voilà. Donc les petites enceintes faites avec des une fois une ronde. Et enfin donc bah, le lecteur MP3 qu'on met ici, qu'on accroche là, donc imprimé hein, comme vous pouvez le voir, rose forcément. Donc vous avez un peu la barre de volume, enfin les barres de volume, puis après différents boutons. Et pourquoi il y a quand même un signe de. Ah ok. Comme il y a un signe visiblement de téléphone raccroché et décroché, je me demande si au final, ça c'est pas aussi une sorte de tout bêtement de smartphone, vu que je comprends pas trop pourquoi, à moins que ce soit pour indiquer au téléphone qu'il est bien, au téléphone, au lecteur MP3 qu'il est bien accroché à la station, je ne sais pas. Bref, si vous avez encore plus des explications là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, il vous restera une pièce, voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit que c'était rose, les petites une fois une, non, parce que non, ça c'est gris, hein, ça c'est gris, voilà. Encore, je me serais trompé de couleur, parce que ça m'est arrivé, oui. Donc, on va refermer ça comme ceci. Voilà. Et donc, écoutez, bah, moi, j'ai décidé qu'on va mettre ça sur le petit banc, hein, quitte à faire, vu qu'il n'y aura aucune figurine qui viendra s'asseoir dessus, donc autant mettre ça ici pour que ça envoie un peu le son, quoi. Envoie un peu les gros beats, j'ai envie de dire. Et on va se quitter là-dessus, voilà. Donc, bah, c'était pas trop mal, c'est assez original, je ne venais pas du tout, donc bah, c'est une bonne surprise en soi, voilà. Après, j'ai pas grand-chose de plus à en dire, c'est assez simple, mais ça fait bien, ça représente assez bien ce que c'est censé représenter.
logiquement. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus. Donc, c'est des questions, des commentaires, et bien, n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, nous, on se retrouve demain. Oui, c'est bien, pour ceux qui auraient deviné. Demain, donc, pour le mercredi 18. Voilà, c'est toujours aussi bien. Et donc, en attendant, et bien, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Un bon petit brunch, un bon petit déjeuner. Ouais, bref, c'est la fête. C'est vous. C'est à vous de voir. Et donc, nous, on se retrouve demain. Voilà. Donc, bah, à la prochaine. Salut à tous!